كاينين حنا تقريبا في لو مواد جوان Il faut toujours baser à l'attaque la primaire et l'attaque secondaire. Pour éviter l'attaque, il y a l'attaque. Au choc. Il y a une C'est quoi l'attaque secondaire? C'est l'attaque qui se fait sur l'arbre, au niveau de l'arbre. Le pommier, il perd ses feuilles. Donc l'attaque primaire, c'est celle qui va quitter le sol pour monter. Donc, la méthodologie que Moha a proposée, c'est de traiter avec le cuivre préventivement en post-récolte, de neutraliser le maximum de spores qu'il y a en post-récolte. Par la suite, au débourrement, vous avez déjà neutralisé l'attaque primaire en grande partie. Qu'est-ce qui se fait en Afrique du Sud sur les agrumes? Les agrumes, qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils ont une large palette de produits que nous, on n'a pas. Ils ont encore la carbendazime, ils ont encore. Eux, ils font ce qu'on appelle le vide sanitaire. À la fin de la récolte des agrumes, ils appliquent un biocide. Inch'Allah, on va introduire le sport-kill. Vous allez voir, qu'est-ce qu'ils font? Ils traitent toute la parcelle avec un biocide. Ils neutralisent toutes les spores. En fait, c'est comme si vous mettez l'eau de Javel. La tablure en quête-bed à partir du gonflement juste au début de la floraison. C'est le maquette de la table. La floraison. C'est le maquette de la quête-bed comme le pied. C'est un traitement qui est le matin. Là, il faut servir comme il faut servir. Les interventions préventives, c'est un homme qui est. Mais si tu as dit qu'il faut te mettre la maladie de l'âge, il y a la tablure. Suite les conditions de l'âge, pour faire le moment opportun. غادي تبان لا طابلور الا ما خداش واحد هاد المرض بعين الاعتبار هنا لابد من لانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكوف في بوتون روز بور لو بومي بوتون روز لو بوتون روز خديت هذا ولا بوتون روز سولو لا ريجيون كتعطي ان تريتمون سوا دو كونتاكت باش يمكن تشمل لا طابلور كتبان ا بارتير دو الكوفلومون جوست او ديبي دو لا فلوريزون C'est le maquette de la table. La floraison. C'est le maquette de la table. C'est le maquette de la table. C'est un traitement qui est le matin. Là, il faut servir comme il faut servir. Il les interventions préventives. C'est un homme qui est. Mais si tu as dit qu'il faut te mettre la maladie de l'âge, il y a la tablure. Suite les conditions de l'âge, pour faire le moment opportun, la tablure, il n'y a pas de choix. Il y a des malades qui sont en train de de l'intervention de là. C'est-à-dire le gonfle est fait bouton rose. Pour le pommier, bouton rose. Le bouton rose, c'est le bouton rose selon la région. C'est-à-dire un traitement soit de contact, mais je quelque chose. Quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très bons résultats en mélangeant le transit avec le numectin. De très bons résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et kémur? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous allevez le matin, vous allevez la peau superficielle. C'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il asphyxie les œufs. Quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très bons résultats en mélangeant le transit avec le numectin. De très bons résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et kémur? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous allevez le matin, vous allevez la peau superficielle.
c'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il a aussi les œufs. La tablure à quatre bêtes à partir de le gonflement juste au début de la floraison. C'est ma quête avec la table. La floraison. C'est ma quête du combat. Quatre bêtes comme le fait dans le cul. C'est un traitement qui est le matin. On a des mécanismes comme il faut servir, des les interventions préventives, c'est un homme qui dit. Mais si tu sais qu'il faut que tu la maladie de l'âge, il y a la tablure. Suite les conditions de l'âge, pour faire le moment opportun, غاديش بان لا طابلور الا ما خداش واحد هذه المرض بعين الاعتبار هنا لابد من الانترفونسيون ديالها غادي ديرها في الكونفل في بوتون روز بور لو بومي بوتون روز لو بوتون روز خديتها زون بوتون روز سولو لا ريجيون كتعطيها تريتمون سوا دو كونتاكت باش يمكن تشمل هنا لا طابلور كتبان ا بارتير دو الكونفلومون جوست او ديبي دو لا فلوريزون C'est ma quête avec la table. La floraison. C'est ma quête du combat. C'est un traitement qui est le matin. Il y a des comme il faut servir. Il y a des interventions préventives. C'est un homme qui dit. Mais si tu sais qu'il faut que tu la maladie de l'âge, il y a la tablure. Suite les conditions de l'âge, pour faire le moment opportun, il y a des la tablure. Il y a des malades qui sont en train de se faire. De l'intervention de là. C'est-à-dire le gonfle est fait, bouton rose, pour le pommier, bouton rose. Le bouton rose, c'est la zone, bouton rose selon la région. C'est-à-dire un traitement soit de contact, mais je quelque chose. Quand vous faites l'efficacité, vous trouvez l'efficacité et l'effet. Donc pour aider cela, je vous conseille toujours, que ce soit avec Numectin, Vertimec ou quoi, utilisez toujours un adjuvant. Et nous, on a eu de très bons résultats en mélangeant le transit avec le numectin. De très bons résultats. Pourquoi? Quelle est la différence entre transit et kémure? Par exemple, vous allez me dire, mais j'utilise l'huile, c'est moins cher. Oui, l'huile, c'est un adjuvant. C'est un adjuvant. Mais l'huile, il brûle la cuticule pour faire rentrer le pot. Le transit, il gonfle la cuticule. C'est différent. Le matin, les feuilles des arbres, elles sont gonflées. Nous, quand on se lave, notre peau, elle se gonfle. Vous sentez que vous respirez mieux. L'huile, c'est comme si vous allevez le matin, vous allevez la peau superficielle. C'est différent. Donc l'huile, il peut être phytotoxique, mais il a l'avantage aussi de toucher les œufs. Il a aussi les œufs. La bactérie, il y a une saura. Il y a une bactérie. Il y a une avie. Ou il y a l'exodomonas pour les arbres à noyaux. Il y a les arbres à noyaux, mais c'est saïda. Il y a... ما تيقش فيها وما تقولش راه مشات ولا راه كتخبع كتبقى في لي شونك كدوز ليغيرناسيون سو فورم دو باكتيريا كتسنى لي كونديسيون كليماتيك راه تقدر الا ما كانش لي كونديسيون كليماتيك ديال هاد الفحناريه راه ما غاديش تبان ولكن الا كاين لي كونديسيون كليماتيك ديالها وسيرتو في لا فلوريزون كتكون شويه الشتا ولا سميتو راه لاباريسيون ديال لو فوكتيرين كيخرج بحال العام الفايت لاني 2021 La région de la Fazro, il y a une attaque de nous, il y a très grave. Il y a un petit peu de fer. 250 ici, l'autre, 1 000 litres d'eau. Et il y a, qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a un petit peu de l'attaque de la table. Il y a des feuilles qui sont sur la table. Il y a des traitements à la base. Il y a des gardes, 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 il y a des كاين اللي كيف دوك اللي هما توشي فالا تابلو كيصفارو وفتالي كيطيحو وفتالي كيطيحو بلاتي وفتالي كيطيحو هي غير زعما لا تابلو كدير هذا كتليميتي ديك لا فين كتصفرها وكتليميتي هذا لو غول ديال لو برودوي هذا كارنير هذا باش انا نقول لكم الواقع باش كنخدم حتى هذا لي طوبيل اللي كدير ما تسمي هذا هو اللي كنت نقول لك شكرا سي موها شكرا transforme en vapeur, il protège toute la feuille. Le pinconazole, bon, vous le connaissez, c'est sa capacité, c'est que si la goutte tombe ici, il protège tout ce qui est en haut. Donc il est systémique à côté. Un autre produit. On a le Bayou qui contient que le pinconazole. Lui, il est homologué sur le pommier. Il contrôle l'oïdium. Donc, Garner. Donc là, il intervient,
très important, il est plutôt préventif. Les papillons, si c'est un adulticide, il va jamais tuer. Si c'est un larvicide et que j'applique, il n'y a pas la larve, après un moment donné, le larvicide ne sert plus à rien. Donc, il faut bien connaître le site. C'est pour ça que la ponte, elle se fait au crépuscule, c'est-à-dire vers le coucher du soleil. Donc, اختصارا جملة ديال أنه كما قال راه دو كاربو شوف دابا راه عارفينو أكثر منه دونك ماشي شي حاجة اللي جديدة مي هو في لي زانتيرفونسيون ديالو هو اللي خصك تعرف الوقيتة اللي خصك دير لانتيرفونسيون ماشي مثلا غادي ندير لانتيرفونسيون قبل ما يكونوا لي فول ومن يكونوا لي فول راه لا فومي اللي إلا كانت طايرة ما عندك ما دير درتي تريتمون قبل دونك راه غادي يوقع لك المشكل يوقع لك يبان عندك الكاربو يبان عندك سينون دونك لو برودوي خصك دير لو شوا ديال لو ستاد فاش غادي دير لانتيرفونسيون فاش غادي داوي الا دونك واش على حسب داك البرودوي اللي غادي تستعمل واش لارفيسيد واش حتى كيضرب لادولت واش دونك بزاف ديال الحوايج اللي خصهم غادي نطرقوا لهم ان شاء الله باش نشوفوا الا فيميل ال بون 100 à 200 œufs pourquoi cette information elle est importante si on considère que 50% supposons 50% seulement éclos et deviennent papillons. Ça veut dire que j'ai 50 papillons. Un papillon va donner 50 papillons. 200 va donner. Donc si j'ai 10 individus, je capture sur mon piège 10 individus, ça veut dire qu'il y a plus. Parce que le piège, il capture sous une surface bien donnée. Ça veut dire qu'il y a plus. Donc automatiquement, vous pouvez savoir l'ampleur que vous avez, le problème que vous avez. Donc Arzak, comme cette journée-là, on essaie toujours de se démarquer des autres sociétés. Et on fait des journées sur le terrain. Là, c'était lorsqu'on lançait le Lantagran sur pois chiche. C'est une parcelle de pois chiche. On a réuni des agriculteurs. Là, c'est sur vignes. Donc, on réunit des agriculteurs dans les parcelles, comme aussi dans des salles comme ça. Vous pouvez continuer. Là, c'est des journées qu'on fait pour Pouzumar. On est parmi les 5 premiers fournisseurs de Pouzumar.